Merci. Alors, voilà notre équipage. Oui, Major. Très bien, ils sont à l'heure exacte à la réception. Un bon point, messieurs. L'exactitude et la politesse des rois, comme on dit. Bravo, messieurs. Merci, Major. Bien, désirez-vous connaître les noms des membres de l'équipage, Major? Mais oui, bien sûr, volontiers. Donc, je vous présente. Framboisier. René. Eric. Rémi. Et notre petit Millet. L'équipage du Fol Amour. Ils sont très bien. Ils ont de bonnes têtes. Et si leur ramage se rapporte à leur plumage, comme on dit... Ne craignez rien, ils sont adorables. Ah, tant mieux, tant mieux. Mais méfiance tout de même gentille n'a qu'un œil, hein, messieurs. Repos, messieurs. C'est sympa à vous d'avoir choisi notre bateau pour faire votre croisière, Major. Vous savez, j'aurais préféré un navire de guerre. Mais enfin, ne soyons pas plus royalistes que le roi, comme on dit. Si je puis me permettre, Major, pourquoi un navire de guerre? Ben, j'ai décidé de faire une croisière pour écrire mes mémoires. Sur un navire de guerre, j'aurais été à l'abri des yeux indiscrets et des oreilles tendues. Sachez que la gueule d'un canon est moins dangereuse que la bouche d'un calomniateur, messieurs. Alors ça, Major, c'est bien vrai. Hein? Et comme je dis toujours, pour vivre heureux, vivons cachés. Et en tout cas, sur le fond l'amour, vous pourrez écrire sans crainte, Major. Nous nous chargeons de votre tranquillité. Ah, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. Pas de passagers bruyants, pas de musique endiablée aux environs. Non, rien de tout ça, voyons. Bon, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Parce que vous savez, ma femme faisait du bruit, mes soldats faisaient du bruit, mon trompette faisait du bruit, enfin tout le monde faisait du bruit. Je hais le bruit. Chat échaudé craint l'eau froide, comme on dit. Alors là, Major, pas d'inquiétude, nous naviguons sur le silence. Oh, le silence, le silence. Mais rien de tel que le silence, comme je dis toujours. La parole est d'argent, mais le silence est d'or. Ah, ça. Bon, alors il est temps que je revienne à mes mémoires. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud, comme on dit. Écoutez, si vous voulez bien, l'équipage va vous mener à votre cabine, Major. L'équipage? Ben oui, nous tous, quoi. Mais il n'en est pas question. Sachez que quand il y a 4 timoniers sur 5 marins, le navire sombre, comme on dit. Alors un seul suffira, vous, là. Prenez mes valises. Moi, Major? Oui. Évidemment, vous. D'accord. Et devancez-moi. Au pas. Au pas? Mais oui, au pas. L'exercice est au corps, ce que la nourriture est à l'estomac. Allez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Oh là là. Il fait vraiment très, très major, hein, la musclée. Ah, ça, il y avait un seul spécimen comme ça sur Terre, et il a fallu qu'il embarque sur le Fol Amour. En plus, c'est l'ami intime de notre armateur. Coquin de Sora. Oh, mais les copains, c'est pas la peine de crier avant d'être battu. Comme on dit. Il est certainement très sympa. Incompréhensible, mais vraiment incompréhensible. Je n'ai aucune donnée en mémoire sur ce dialecte terrien. Salut. Ah, Ilgueugue, tu ne pouvais pas mieux tomber, il faut que tu m'aides. Pourquoi? Eh bien, comment veux-tu que j'analyse les musclés si personne ne me dit que les terriens ont plusieurs langages primitifs? Comment ça, plusieurs langages primitifs? Mais oui, Ilgueugue, tout à l'heure, je vous ai observé quand vous étiez à la réception. Mm-hmm. Avec ce mal terrien que vous appelez Major. Oui. Et je n'ai rien compris de ce qu'il disait. Pourtant, il parlait bien français, Estrella. Ilgueugue, moi aussi, je parle français. Et je t'assure que ce Major dit des choses complètement incompréhensibles. Moi, j'ai tout compris. Eh bien, venez voir, Ilgueugue, je vais te montrer. Bon. J'ai enregistré des exemples. Alors, attends, regarde. L'exactitude et la politesse des rois. Mm-hmm. Chat échaudé craint l'eau froide. Oui. Il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Alors ça, si c'est pas du chinois, c'est quoi? Ce n'est pas un nouveau langage terrien, Estrella. Ce sont seulement des expressions. Des expressions? Mais c'est quoi ça? C'est des phrases qui expriment des choses d'une manière un peu plus imagée. Tu comprends? Non, pas vraiment. Bon alors, je vais prendre un exemple. Si quelqu'un dit « la parole est d'argent et le silence est d'or », ça veut dire qu'il vaut mieux se taire que parler. C'est tout simple, non? Simple. C'est d'un compliqué, d'un primitif. Mais non!
Attends, je vais te prendre un autre exemple. S'il te plaît, Ilgugu, ça suffit pour aujourd'hui. Sinon, je sens que dans une minute, je vais être complètement dégénérée, moi. Comme tu veux, mais tu as tort. Voilà une analyse que tu devrais faire au lieu d'étudier tes bêtises. Quoi? Mais oui, les expressions terriennes. Je suis sûre que ça t'amuserait beaucoup. Ilgugu, si je dois décoder chaque mot comme un bébé avant de comprendre une phrase... Mais ce serait amusant. Écoute, Ilgugu, une scientifique végasienne telle que moi a autre chose à faire que faire joujou avec des expressions terriennes idiotes. Bon, c'est toi qui vois. De toute façon, tu veux toujours avoir raison. J'ai autre chose à m'occuper, elle est passager aussi, ok? À tout à l'heure. À tout à l'heure, Ilgugu. Des expressions terriennes imagées. Tu parles d'une idée d'analyse, toi. Oh. À moins que... Mais oui, ça pourrait être une idée géniale. Bon, je vais commencer tout de suite pour voir ce que ça rend. Oh, mais avec qui je vais le faire, ça, moi? Mais si je prenais ce mal terrien qu'ils appellent Major, je pense qu'avec lui, ça pourrait réussir. Bon, allez, j'y vais. Voilà votre cabine, Major. Ah, voyons ça, mais c'est correct, très correct. Oui. Mm-hmm. Alors, ici, vous avez quelques rangements. Mm-hmm. Ici se trouve la salle de bain. Mm-hmm. Et alors, ici, vous avez votre bureau où vous pourrez ranger vos documents. Parfait, parfait. De l'ordre, toujours de l'ordre, de place pour chaque chose. Chaque chose à sa place. Mais qu'est-ce que... Je ne sais pas comment vous faites ça, mais c'est ce qui s'appelle avoir de l'organisation. Salaud. Ça, c'est un bateau. Non, je sens que je vais me plaire ici. À moins que... dites-moi, les cabines qui sont proches de la mienne sont occupées? Je crois bien, oui, je crois bien. Non, je m'en doutais. Alors, vous allez me rendre un service. Vous allez prendre des renseignements sur les passagers qui les occupent. Je vous l'ai déjà dit, je suis très méfiant. Je comprends. Ça, c'est encore à cause de vos mémoires top secret. Plus bas. Les murs ont des oreilles. Oh! Quelle horreur! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je n'en sais rien, Major. Je n'en sais rien. Non, pour moi, Moussaillon, c'est un mauvais plaisant qui s'amuse à mes dépens. Vous croyez, Major? Mais bien sûr. Ce que nous supposons n'est pas toujours la réalité. Il ne faut pas prendre les choses au pied de la lettre. Mais... Ah! Ah non, ça c'est trop fort. Quel est le fourbe qui s'amuse à mes dépens? Non, j'exige de voir le commandant tout de suite. Je vais vous le chercher tout de suite, Major, alors. Oui, et dites-lui que j'exige une enquête pour qu'il trouve le coupable de ses méfaits. Oui, alors je vous laisse et je vais le chercher immédiatement. Ça alors. Bon, Tonio, mais qu'est-ce que tu fais là d'abord, toi? Oui, bon, d'accord, on n'a pas le temps, tu m'expliqueras une autre fois. Ouais, dis-moi, t'as pas vu les autres par hasard? Ils sont bas? Bon, allez, ça y est. Non, mais on ne se moque pas d'un major impunément. Un châtiment s'impose, que diable! Plaisantin ou non, qui sème le vent, récolte la tempête! Ilgugu avait vraiment raison. C'est vraiment génial d'étudier les expressions terriennes. Oh, mais j'ai une idée. Si je poussais un peu plus loin mon étude, les musclés aussi utilisent ces drôles d'expressions. Bon, allez, j'y vais. On se réunisse. Conseil de guerre, c'est urgent. Conseil de guerre, mais pourquoi? Figurez-vous qu'il y a un gros malin qui s'amuse à jouer des tours au major. Des tours? Mais quel genre de tours? Des tours du genre, il y a des oreilles gigantesques qui apparaissent au mur, il y a des lettres avec des pieds qui tombent du plafond, enfin des blagues idiotes, quoi. Oui, alors si tu veux mon avis, ça ressemble tout à fait à du framboisier. Ben voyons, René. Framboisier n'a pas pu se dédoubler. Tu oublies qu'il est resté ici avec Carmen Sita et qu'il est encore là il y a à peine 5 minutes. Ah ben oui, c'est vrai, ça. Bon.
Alors, vous croyez que c'est Eric? Mais non, Eric, voyons, c'est pas du tout son genre, enfin. En tout cas, il faut trouver qui c'est, et vite, hein, parce que le major, il est fou, furieux. En plus, il veut voir le commandant. Quel commandant? Eh ben, le commandant, quoi. Mais il y en a pas, tu sais bien qu'il y en a pas, sous le foie d'amour, on est tous commandants. Mais oui, mais moi, je sais bien, mais je vais quand même pas lui raconter ça, et ça fait pas sérieux. Et pourquoi il veut voir le commandant? Parce que il exige une enquête, il veut connaître le coupable. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire? À mon avis, le mieux, ce serait qu'on trouve le coupable nous-mêmes et vite. Ouais, facile à dire. Bon, Rémi, tu as peut-être oublié un détail. Tu n'as vu personne rôder autour de la cabine du major, là, par hasard? Bah non. Quand je suis sorti, je me suis heurté à Tonio. Enfin... Ah ben voilà, c'est lui le gros blagueur. C'est Tonio, mais bien sûr. Tonio, tu crois? Mais oui, d'accord, il parle pas, mais enfin moi, je lui ai toujours trouvé un regard bizarre. Il a l'air fourbe, tu vois. C'est vrai. Il a un côté coquin, Tonio. Bon, bah écoutez, les copains, ce qu'il faut faire, on le trouve et on le questionne. Je suis d'accord. On se déploie et on part à sa recherche. Très bien. Bon, René, tu restes au bar. Si jamais il passe, tu me l'alpagues, ok? Ok. Bon, allons-y. Allons-y. Oh là là, ils sont vraiment pas drôles. Il n'y en a pas un qui a utilisé la moindre expression. Si ça continue comme ça, toute mon analyse va tomber à l'eau. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais regarder dans le karma d'Eric. Peut-être qu'avec lui, j'aurai plus de chance. Ah, le voilà. Bon, ce mois-ci, ce n'est pas brillant côté finance, mais les copains vont être contents. Je me suis débrouillé comme un chef. Avec un peu d'idées, j'ai réussi à leur concocter des menus dont ils me diront des nouvelles. Et pour pas cher, en plus. Eric, j'ai une chose très importante à te demander. À moi? Oui, figure-toi que je viens de rencontrer une ravissante petite Espagnole, Carmencita. Ah. C'est une passionnée de paella. Alors je lui ai dit que ce soir, eh bien, au menu, il y en aurait une extraordinaire. De paella? Oui, c'est une bonne idée, non? Ça n'est pas une très très bonne idée, monsieur. Ben pourquoi? Eh bien, parce que, monsieur, je te signale que, premièrement, ce mois-ci, notre budget est au plus bas, mais alors au plus bas. Deuxièmement, de ce fait, je me bats depuis une semaine pour essayer de trouver suffisamment de nourriture pour alimenter un bateau rempli de gens affamés et exigeants. Et troisièmement, hein, eh bien, je n'ai pas à faire un menu de luxe particulier à chaque nouvelle fiancée démusclée, aussi ravissante soit-elle. Oh là là, tu exagères! Une paella, ce n'est qu'un peu de riz et quelques ingrédients. Le riz, je l'ai. Les ingrédients, je ne les ai pas. Maintenant, si tu veux, je peux lui inventer une recette de paella au riz blanc. À ta Carmencita, si tu insistes vraiment. Hein? Bon, ça va, ça va. En fait, qu'est-ce qu'il y a au menu ce soir? Soupe aux choux et ratatouille. Quoi? T'as dit Burke, là? J'ai entendu Burke. J'ai un chat dans la gorge. Ah, enfin. Tu as un chat dans la gorge? Tu te moques de moi? Non, je te jure, j'ai un chat dans la gorge. Ramoisier, tu oses, tu dis Burke sur ma cuisine et en plus tu te moques de moi? Tu veux que je te dise framboisier? Eh bien, tu exagères. Je ne sais pas ce que j'ai. Oh, mon Dieu, au secours! Mais c'est rigolo, ça. Bon, je vais faire revenir le petit chat qui est dans la gorge de framboisier. Allez, hop. Oh, mais tu sais que tu es mignon. Bon, allez, voyons la suite. Ah, Eric, dis, Eric, tu n'aurais pas vu Tonio dans le coin par hasard? Ah non, j'ai vu framboisier et ça me suffit. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que framboisier et moi, à partir de maintenant et jusqu'à preuve du contraire, tout au moins ce qui me concerne, eh bien, nous sommes à couteau tiré. Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu, ça recommence. Quoi? Qu'est-ce qui recommence? D'où viennent ces couteaux, Rémi? C'est rien, Eric. Maintenant, je suis sûr que Tonio est dans le coin. Mais pourquoi, Tonio? Mais de quoi parles-tu? Qu'est-ce qu'ils ont tous aujourd'hui, bon sang? Ça commence par framboisier, et qui me tombe comme un cheveu sur la soupe. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là, des cheveux bruns.
D'où ça vient, ce truc? Et si c'était sur le framboisier? Ça ne m'étonnerait pas de lui, ça. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Il vient, il critique ma cuisine, il la souille et il repart. Ça, c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tiens. Et voilà le vase qui s'y met maintenant. Et bien sûr, évidemment, je n'ai même pas une éponge digne de ce nom. Pour nettoyer tout ça, bien sûr, je dois réparer tous les dégâts avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec rien. Une paella pour monsieur framboisier. Non, mais pourquoi pas du foie gras aussi, hein? On est tellement serré ce mois-ci que de toute façon, j'aurais à peine de quoi nous payer le gras du foie. Et encore. Non, mais franchement, alors comment va-t-il que je fasse, hein? Comment est-ce que je peux faire? On ne peut pas dépouiller davantage nos menus, tout de même. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Oh non, pas ça, Tony. Je le tiens. Tonio! Tonio, sors de là, tu es pris! Tonio! Que parlez-vous, que diable? Ah, Valérie chérie, c'est un problème entre Tonio et les musclés. Il faut qu'on lui parle. Ah, Tonio! Je veux dire, il n'est pas là. Pourquoi le cherchez-vous? Eh bien, il est soupçonné de faire des vilaines blagues à un important passager. Alors, nous devons le questionner. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires à dormir debout? Valérie! Oh, Valérie! Valérie! Dormir debout? Ça aussi, c'est drôle comme expression. Vali, mais comment osez-vous? Espèce ignoble cafard! Vali, vous étiez endormi, alors mais qu'est-ce que je vous raconter, Bernard? Alors d'abord, vous accusez Tonio de je ne sais quoi sans preuve! Ah, mais si! S'il se cache, c'est qu'il y a quelque chose à se reprocher. Voilà, vous savez ce qu'on dit, hein? Il n'y a que les morveux qui se mouchent. Voilà. Ah, je le savais. Quand on parle du loup, on en voit la queue. Ça suffit. Inutile de faire diversion. Je sais bien que vous aimez Tonio, mais quand même, je dois faire mon devoir. Votre devoir? Oui. Non, mais pour qui vous prenez-vous, espèce de crapaud les briques? Lâche Tonio tout de suite, vous m'entendez? Écoutez, Valérie. Ah, ça suffit, Bernard, hein? Oh, j'ai très bien compris votre ignoble comédie. Vous êtes jaloux de ce pauvre Antonio et vous l'accusez ignominieusement de toutes les horreurs du monde. Mais Valérie, chérie, je vous... À la paix, Bernard. Sachez qu'on n'apprend pas aux vieux singes à faire la grimace. Oh. Cette Valériane est vraiment la reine des analyses. Avec elle, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qui te fait rire comme ça, Estrella? Oh là là, une gueule, si tu savais! Eh bien, justement, j'aimerais bien savoir. Tu n'as pas fait de bêtises, au moins, hein? Mais pas du tout. J'étais obéie. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, j'ai fait une analyse sur les expressions terriennes. Les expressions terriennes? Et c'est ça qui t'amuse à ce point? Mais oui, j'ai trouvé un moyen parfait de mieux les comprendre. J'aimerais bien savoir lequel. Tu m'inquiètes, toi, quand tu es si joyeuse. Ça me dit rien qui vaille, non? Bon, attends. Je vais effacer la dernière expression de Valériane et je vais revenir un petit peu en arrière. Tu vas voir, regarde. Oui. Ah, cessez, Bernard! J'ai très bien compris votre ignoble comédie. Vous êtes jaloux de ce pauvre Antonio et vous l'accusez ignominieusement de toutes les horreurs du monde. Mais je vous assure. Ah, ça suffit! Espèce d'immonde, les masses gruantes! Il est gardé sans dire un mot! Sachez que la barbe du crapaud n'atteint pas la blanche colombe! Je ne l'avais pas encore entendue. Mais Estrella, oui, c'est vrai que c'était beaucoup plus drôle tout à l'heure, quand Valériane a dit qu'on n'apprenait pas un vieux singe à faire la grimace. Et si tu l'avais vu en vieux singe? Mais Estrella, tu n'as pas fait ça. Mais si, c'est très intéressant. C'est beaucoup mieux que de faire des analyses d'expressions simplifiées. Mais Estrella, avec une expérience pareille, tu as dû me traumatiser les musclés. Mais non, je ne l'ai pas traumatisée. Simplement, Eric s'est retrouvé tout nu dans sa cuisine. Quoi? Et le major a vu ce que c'était quand les murs ont des oreilles. C'est tout.
Mais tu ne te rends pas compte, c'est de la folie de faire des choses pareilles. Il gueugueux, c'est une étude scientifique. C'est surtout un jeu pour toi, oui. Arrête ça tout de suite. Ah non, c'est beaucoup trop drôle. Bon, tu veux que je fasse un rapport sur toi, Vega? Oh là là, mais tu ne vas pas recommencer. Si, justement, c'est trop grave. Oh, décidément, à chaque fois que je commence à m'amuser, il faut qu'elle me tombe dessus. Oh là là, tu commences vraiment à m'agacer. Eh bien, toi aussi. À chaque fois, il faut que je répare tes bêtises, il faut que je passe derrière toi. J'en ai assez aussi. Ton synthé, efface tout tout de suite. Bon, d'accord. Puis moi, je n'ai plus qu'à réparer tes bêtises, comme d'habitude. Ramasse ton écran, tu vas marcher dessus. Bon. Si je faisais une dernière petite analyse d'expression terrienne, il gueugue n'en saurait rien. Eric, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous me sauvez la vie. Pourriez-vous, s'il vous plaît, aller me chercher des vêtements d'urgence dans ma cabine, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il vous est arrivé? Je n'en sais rien. J'étais là tout seul. Je parlais de petits problèmes domestiques. Je tirais le diable par la queue et tout ça, quoi. Alors là, Estella, elle va m'entendre. Qu'il gueugueux soit dans la cuisine. J'ai vraiment pas de chance et j'ai intérêt à tout effacer. Ah, ouf. Voilà, ça y est, c'est réparé. Mais Estrella, tu m'avais promis. Mais de quoi? C'est un accident. Un accident? Mais tu te moques de moi ou quoi? Donne-moi ce synthé. Mais c'est fait. Je ne te crois pas, donne-moi-le. Mais puisque je te le dis. Bon. Je vais aller vérifier et j'espère que tu dis la vérité parce que sinon je te promets, je vais faire un rapport sur toi et à la présidente en personne. Voilà. Et voilà mon synthé qui est bloqué. Oh là là. Bon, voilà. Pour les musclés, c'est réparé. Mademoiselle Ilgueugue sera contente. Oh là là, qu'est-ce que j'en ai marre de celle-là. Je devrais être toujours dos au mur, pieds et poings liés, avec le bec cloué comme disent si bien ces terriens.